mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais franchement trop hâte de vous faire puisque vous avez été énormément nombreux et nombreuses à me la demander. J'ai demandé conseil à mes amis et à ma famille qui avaient déjà commandé sur Shine, je sais pas comment on dit. Et du coup je me suis lancée puisque un peu plus de 2 semaines j'ai commandé un énorme colis juste ici avec que des produits Shine. Alors, il n'y aura pas tout dans cette vidéo puisque je vous prépare une autre vidéo, mais sinon il y a de quoi faire. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous faire un attente VS réalité version Shine. Je vais dire Shine parce que je sais pas, moi je le dis comme ça, après ça va peut-être en énerver certains, je n'en sais rien. Savoir juste que je n'ai jamais testé et du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, SevaStyleOff. Puis moi je vous dis, allez c'est parti. Ok, bon alors, là j'ai une veste en jean que j'avais commandé. Alors faut savoir que j'ai rien ouvert, rien testé, rien du tout. Oh non, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Donc c'est une petite veste en jean comme ça. J'ai commandé un bikini. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà à quoi il ressemble. Il ressemble à ça avec une ouverture au milieu. J'ai commandé ouais, celui-là je voulais trop le tester. Voilà, un petit t-shirt comme ça, c'est un genre de bleu turquoise. Une petite robe, de base ça doit ressembler à ça, je sais pas si ce sera bien. À quoi ressemble la robe? Franchement elle est trop mignonne, j'avais trop envie de commander des robes pour cet été, j'en ai commandé plusieurs d'ailleurs. En ce moment je suis accro aux robes, je sais pas pourquoi je suis trop accro aux robes. Il y a des trucs je me souviens même plus que c'était, donc ça fait longtemps que j'ai commandé. En vrai ça va, c'est quand même arrivé relativement rapidement vu la situation en ce moment, mais... Oh, c'est mon sweat! Oh, c'est mon sweat blanc! Oh non, je suis trop contente, j'avais commandé un sweat blanc. Putain, mais il est hyper épais. Oh, la matière au milieu. Oh non, mais je vous... Oh là là. Oh non, mais laisse tomber. La matière, elle est dingue. Vraiment, elle est trop dingue. Tout doux à l'intérieur. Oh là là, je vais kiffer. Vraiment, je vais kiffer. J'ai envie de tout casser, là. J'ai pris ça, je crois que c'est un short. Je sais plus. Ouais, c'est un short. Ok. Voilà à quoi il ressemble. Alors, quoi tester? Je vous ai dit, là, j'ai fait une énorme commande. Je me suis dit, allez, c'est bon. Je teste ou je teste pas. Je crois que c'est une robe que j'ai commandée. Ok, donc c'est une petite robe jaune comme ça. Alors, je sais pas du tout si le jaune ça va m'aller. Mais écoutez, je vais tester. Voilà, mais elle fait un peu jaune-orangé, je trouve. J'ai ce petit t-shirt là, en jaune aussi. Pourquoi je sais pas ça? J'avais envie de prendre du jaune. Oh non, oh non! Oh, j'ai trop hâte ça. Oh là là, elle est magnifique. Je sais pas si ça va être transparent ou pas, mais c'est une robe chemise. Comme ça, avec des écritures. Franchement, j'espère vraiment qu'elle va pas être transparente et je sens qu'elle va être transparente. Ok, je me souviens même plus que j'avais pris ça. Un legging comme ça, noir avec des bandes blanches sur les côtés. Oh non, mais j'ai trop hâte. J'irai tout essayer, bien évidemment. Là, c'est un ensemble. Oh non, mais c'est trop beau. Je trouve que ça fait un peu style Tommy Hilfiger. Voilà, en bleu marine avec des trucs blancs et rouges. C'est une genre de veste un peu crop top, mais pas trop. Le bas, comme ça. Non mais moi je trouve ça trop beau, vraiment je trouve ça magnifique. Ce qui reste dans le carton reste secret, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ah oui, ok, d'accord. Bah ça c'est un autre short que j'avais commandé avec des petits zips sur les côtés. C'est parti pour les essayages, j'espère que ça va aller. Je pense que je vais commencer par cette robe chemise, hop là. Et je vais essayer avec une ceinture. Bon, je sais pas trop. Je sais pas si j'aime bien en fait avec les manches. Aïe. Avec les manches sont quand même hyper larges. Bon après c'est un style hein, mais elles sont très longues. Jusqu'à où ça m'arrive? En vrai ça va, c'est pas trop transparent. Peut-être que vous verrez quelque chose à la vidéo, j'en sais rien. Peut-être que je vais repérer quelque chose au montage, mais honnêtement je trouve pas si transparent que ça. Après je sais pas si on peut relever ça. C'est un fil là. Et quel est ce délire? Après honnêtement j'ai pas à me plaindre hein, pour le prix, franchement. Dans les environs de 180€ plus l'autre vidéo qui arrive. Hé, j'ai oublié, j'ai commandé une paire de chaussures hein. Voilà à quoi elle ressemble. Oh. Ok, et ben elle ressemble à ça. En gros, c'est des petites sandales. Ouais, elle ressemble franchement plutôt pas mal. Au final, la robe, je valide quand même. Jusque là, bah, elle est un peu plissée. Mais les manches, je sais pas, c'est ce qui me dérange le plus. En fait, c'est qu'elle tombe vachement bas. Regardez. C'est pas... Je sais pas s'il y a pas moyen que je les remonte ou quoi. Là, c'est avec revers, là, c'est sans revers. Je sais pas. Honnêtement, là, ça... Après, c'est pas mal pour traîner. Hein. Honnêtement, moi, je la kiffe. Je la trouve grave belle. C'est parti pour la suite. Avec cette veste en jean par-dessus. Wow, elle est super grande. Wow, elle est trop grande. Oh, je suis deg, elle est trop belle, mais elle est vraiment trop grande. C'est pas beau du tout, là, vraiment. Bah, voilà quoi, on s'en avait... Non, là, franchement, là, je suis deg. Parce que, je sais pas, normalement, je l'ai pris en taille normale. Ou alors, tu sais qu'elle se porte très loose comme ça, mais je sais pas. Dites-moi, mais non, c'est pas beau. Je suis dégoûtée, parce que derrière, ça va, mais devant, ça va pas du tout. Même si je la boutonne, ça se voit qu'elle est trop grande. Là... Je sais pas. Et ben je valide pas. Pendant qu'on est dans les robes, je vais tester celle-là. Oh, belle, franchement, je la trouvais trop mignonne. Elle est trop mime.
Ça fait petite fillette. Ah non, franchement, j'aime trop. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu transparente. Ouais, c'est même pas un peu, c'est oui, elle est transparente. Oh, moi, j'aime bien. Je la trouve mignonne. Bon, après, c'est pas un truc transcendant non plus, mais moi, j'aime bien. À quoi elle ressemble de près? Avec les cheveux tachés, je sais pas si ça rend mieux. Bah, de toute façon, ce sera plus simple pour la suite des essayages. Ok, ça, je valide. Il n'y a pas de poche. Est-ce que vous kiffez ou pas? Franchement, je suis mitigée de ouf. Alors là, déjà, il n'y a pas de poche, du coup, ça me gêne, mais franchement, je... Non, c'est pas très très beau. T'as une racaille des champs, non mais... C'est ridicule. Est-ce que ça va mieux ou pas? Pour traîner, mais alors, mais jamais de la vie je sors avec, enfin, pff, honnêtement. C'est joli, mais pas sur moi, je crois. Je pensais vraiment que ça allait être beau. Le pantalon, il ressemble à ça, du coup, là, il est coupé en blanc. Mais je sais pas. C'est tout fluide, tout bizarre. La qualité est pas mal, hein, c'est raisonnable, mais... Hyper grand et comment il tient super chaud. Grave bizarre. J'aime trop les sweats. Oh non, je kiffe trop. Oh non, j'aime trop. Ah, c'est bon, je kiffe trop. Je m'en fous. Trop grand, je m'en fous, je le garde. Ceci dit, je vais rien m'amuser à renvoyer parce qu'en vrai, ce serait 10 fois trop long. Voilà, et avec le bas comme ça, franchement, limite, ce bas, je préfère plus. Il est plutôt pas mal. Après, ça reste un legging, mais honnêtement, là, le sweat, je kiffe trop. Il est archi grand, surtout au niveau de là. Même là, en fait, ça fait très bombé. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, je kiffe. Je valide à 100%. Doublure à l'intérieur, c'est trop, trop bien. Je saurais pas vous décrire la matière que c'est, mais franchement, on est trop à l'aise dedans. Par contre, il tient extrêmement chaud, donc cet été, c'est mort. Je vous le dis direct. Mon sweat rose, là, vous avez été énormément à me demander sur Instagram lequel c'était. Et il vient de chez Pretty Little Thing, c'est un sweat rose clair. Et même lui, je l'ai commandé en trop grand. Je sais pas, je dois surestimer ma taille ou j'en sais rien. Mais après, ça reste des sweats. Mais le délire, c'est que c'est vraiment trop trop grand à chaque fois, ça me fait chier. Ah oui, il y a une poche kangourou aussi. Pas mal, je valide. On en parle ou pas? Je viens de l'enlever. Voilà les traces de fond de teint sur mon sweat. Ça part direct au lavage. On adore. Bon, voilà la suite. Le short j'aime bien, le t-shirt j'aime bien, mais les deux ensemble ça va pas du tout. Le t-shirt il est trop droit, je sais pas. Ça va, c'est pas mal. Moi je valide, ça j'aime bien. Après c'est vraiment des trucs basiques de chez Basic. Il me fallait pour l'été, du coup voilà pourquoi j'ai commandé ça. Mais franchement j'aime bien. Le short, dites-moi ce que vous en pensez, mais... Après, il est très couleur peau, donc quand je serai bronzée, je pense que ça ira un peu mieux. Le t-shirt, pour vous montrer, il ressemble à ça. Il est vraiment très très loose, enfin, il est pas près du corps du tout. Je l'aime pas en porter comme ça, vraiment à l'intérieur d'un truc, parce que comme ça, je trouve ça pas beau du tout. Non, mais c'est claqué. Oh, mon style, là, vraiment, il est claqué. En fait, c'est juste que ce genre de short, ça va pas du tout avec ce genre de t-shirt, j'ai l'impression. Voilà, le petit t-shirt jaune. Franchement, lui, je l'aime bien, par contre, je le trouve trop bien. On est plutôt bien dedans, et le short aussi, d'ailleurs. Le short, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Après, il est taillé bizarrement ici, j'ai l'impression. Et là, il y a des petits zips sur les côtés. C'est plutôt pas mal. Franchement, je valide. Niveau qualité, après, ça va. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que je ressemble à un poussin ou pas? J'ai pas l'habitude du tout de porter du jaune là. Là, je me sens grave bizarre. Je me sens tout poussin. Un petit peu transparent, légèrement. Des petites boucles comme ça. Franchement, je sais pas. Je suis mitigée. Honnêtement, j'aime bien. Mais c'est juste que c'est un peu transparent, quoi. Sinon, la forme, j'aime bien. Elle est plutôt légère. Franchement, pour l'été, je vais être grave bien dedans, honnêtement. Donc là, du coup, je valide. Juste, mis à part ça, là, qui est mal taillé. Pareil de l'autre côté. Dites-moi, pareil, ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est plutôt cool. Bon, voilà pour le maillot. Honnêtement, je suis plutôt contente. Il y a ça au milieu. Alors honnêtement, je pense qu'il faut pas avoir une poitrine très très généreuse parce qu'honnêtement, bah y a pas de soutien. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, je le kiffe. Honnêtement, il est grave bien. J'avais commandé un chez Zafoul l'année dernière et il était infaisable à mettre en vidéo. Honnêtement, là, ce truc là, ça descendait jusqu'ici. Ça remontait jusque là. C'était n'importe quoi. Mais honnêtement, celui-là, je le trouve bien. Je le trouve pas vulgaire ni quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour une fois, je valide un maillot de bain parce que c'est très 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 rare, honnêtement. Bon voilà mes amours, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, je suis à 99% satisfaite de ma commande, honnêtement. Sauf la veste en jean, et c'était le truc que j'attendais le plus. Je suis grave dégoûtée, mais bon, elle est trop grande, j'y suis pour rien. Je l'ai pris en taille M, enfin je veux dire... Peut-être que je me surestime maintenant. Juste, oh là là, le sweat que j'ai taché, je suis dégoûtée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà commandé sur Shein. Et moi, c'est vrai qu'il y a énormément d'abonnés qui m'en ont parlé. Il y avait des membres de ma famille aussi qui avaient déjà commandé dessus et qui arrêtaient pas de me dire, mais tu verras et tout, machin, c'est bien. Et honnêtement, bah c'est bien, je valide. Après, juste la coupe du t-shirt jaune, elle sert un peu au cou. Le t-shirt avec la bâquerette dessus, ça me sert un peu au cou. Celui-là, il est un peu loose, mais bon, on est bien dedans. Sinon, tout le reste, je valide, je suis trop contente. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager.
partager et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.